Permettez-moi tout d'abord de commencer mon propos en remerciant l'ensemble des équipes qui sont mobilisées, l'ensemble des équipes de la communauté de communes qui sont mobilisées pour la réussite de cette journée. Quoi de mieux pour promouvoir le territoire que d'accueillir un très grand champion comme Fabien Gimet. Ce qui est très important, c'est qu'au-delà du champion, vous avez découvert quelqu'un qui est humble, qui est d'une grande gentillesse. Et là, franchement, des champions comme ça, c'est un véritable honneur de recevoir. Que je sens que je suis encore passionné par ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je revois ces images, j'ai des frissons comme vous, comme si c'était pas moi qui étais dans l'eau, ou au contraire comme si c'était hier la course, je me rappelle de tout par cœur. Je voudrais savoir comment vous avez été repéré par l'équipe de France et à quel âge. Combien vous faites aux 25 mètres? Qu'est-ce qui est le plus difficile à travailler pour arriver au top du top mondial? Merci d'accueillir Fabien Gimet. Au sein de la fédération, c'est de faire en sorte que l'apprentissage de la natation soit de plus en plus commun, parce qu'on se retrouve encore dans des villes où peu de jeunes savent nager. Donc j'ai l'impression que c'est pas votre cas, que l'apprentissage de la natation, en tout cas ici, est bien fait. Et merci à l'investissement de la communauté de communes d'avoir fait en sorte de faire vivre cette piscine et de permettre à tous ces petits jeunes de pouvoir profiter de bassin. Merci beaucoup.